Dans les Landes, on compte environ 600 jours de fêtes par an. Ces fêtes locales sont issues d'une tradition profondément ancrée dans la culture landaise. Elles sont un des piliers de l'identité du département. Pendant ces jours festifs, des milliers de personnes prennent possession des rues des villes et des villages pour faire vivre les traditions et faire la fête. Moi, je suis landais, donc je suis peut-être un peu mal placé pour en parler, mais c'est vrai qu'il y a un esprit quand même particulier. Il y a un esprit de convivialité, de fraternité, peu importe le nom qu'on peut lui donner, de communion en tout cas pour s'amuser, pour retrouver des valeurs de camaraderie, de partage, des choses qui font que ces fêtes ont quand même un goût un peu différent de ce qui se fait ailleurs. Pour moi, c'était le plaisir d'abord de se retrouver entre amis, c'est la convivialité où souvent les barrières sociales tombent très rapidement et le mélange se fait naturellement avec bon nombre de personnes de diversités différentes. L'esprit, c'est le rassemblement dans nos traditions. Bon, et nous sommes des Gascons. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces fêtes-là, c'est tout un côté générationnel. C'est un rassemblement d'amitié conviviale. Le charme de ces fêtes, c'est que quand on est jeune et à plus forte raison quand on grandit, en général, à 18-19 ans, beaucoup de jeunes Montois ou de jeunes Landais quittent les Landes parce que les études, parce qu'un travail. Donc, le seul moment qu'on a pour se retrouver et pour se voir vieillir les uns les autres, c'est ces fêtes locales. Que ce soit Dax, que ce soit Mont-de-Marsan, que ce soit les fêtes de village, c'est le moment où je sais que je vais voir mes amis d'enfance. Les gens s'amusent, les gens chantent, dansent, boivent, effectivement. Il y a aussi une consommation d'alcool, il ne faut pas le nier. C'est très bien que faire la fête est associé à la consommation d'alcool. Hein. Que tout le monde consomme de l'alcool, ce n'est pas uniquement un phénomène de jeunes. Des adultes consomment de l'alcool différemment, beaucoup plus dans le temps. On a quand même l'impression que c'est une alcoolisation qui est assez rapide en fait dans la soirée. C'est pas une alcoolisation progressive tout au long de la nuit. Et du fait qu'elle est rapide, la perte de repère, voire après la perte de conscience, peut aussi, elle aussi, être assez rapide. Donc du coup, il y a pas le temps de réfléchir et de se dire « bon, là maintenant, il faut que j'arrête ». Le moment des fêtes favorise la consommation d'alcool. Mais une consommation excessive et non maîtrisée est chaque année à l'origine de dérives qui gâchent la fête de nombreux festaires. En premier lieu, une consommation excessive d'alcool expose à une multitude de risques pour la santé. On peut, sur des alcoolisations massives, faire des crises d'épilepsie. Une crise d'épilepsie, c'est comme une déflagration, quoi. C'est une décharge électrique extrêmement violente. Alors les risques, ils sont multiples. Alors sur un plan strictement médical, c'est effectivement la perte de conscience. Mourir étouffé en inhalant son propre vomi, ça c'est d'où l'intérêt de ne jamais, jamais laisser ses copains tout seuls quand ils sont ivres. Voilà. Toujours rester à côté d'eux et les coucher sur le côté. Et on ne les quitte pas les yeux. Si vous voyez, quand vous êtes sur le dos, vous êtes tellement inconscient que vous faites un effort de vomissement et tout le liquide est réaspiré dans les bronches. Et vous mourrez étouffé. C'est donc pour ça que l'intérêt de la position sur le côté. Voilà. Parce que le vomissement peut arriver très rapidement. Mais au-delà des évidents problèmes sanitaires, d'autres risques sont étroitement liés à l'alcoolisation massive et au comportement excessif qu'elle entraîne. C'est des risques inhérents à cette perte de contrôle, à cette sexualité à risque, aux violences, aux bagarres, aux chutes, aux noyades, voilà. Ce phénomène d'alcoolisation vient faire que des personnes qui auraient un certain nombre de barrières morales, éducatives, etc., peuvent voir se trouver complètement désinhibées, peut basculer, c'est un mot que j'aime bien utiliser, peut arriver à basculer dans la délinquance alors justement à cause de cette prise d'alcool. Donc oublions l'idée selon laquelle c'est toujours chez les autres et en aucun cas ça ne pourra m'arriver. Le cas classique, une bagarre qui tourne mal avec une victime qui tombe sur un trottoir et qui en vient à décéder. Bien évidemment, et en aucun cas, l'auteur n'a voulu la mort de cette personne, c'est-à-dire n'a été animé d'une intention homicide. Mais en tout état de cause, le résultat se trouve bien là. J'ai pu constater qu'il était un discours finalement assez répandu, ou en tout cas une idée selon laquelle le fait d'avoir consommé de l'alcool viendrait en somme atténuer la responsabilité de l'auteur de l'infraction.
parce que on vient nous expliquer qu'il n'était pas en possession de tous ses moyens et qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Mais je pense qu'il convient clairement de remettre les choses à leur place et de bien préciser que la consommation d'alcool n'est en aucun cas une circonstance atténuante, mais bien au contraire, est une circonstance aggravante d'un certain nombre de délits, notamment c'est prévu par le code pénal. C'est des moments où il y a énormément de monde dans un espace qui est très réduit. Beaucoup de monde, un espace réduit, et beaucoup d'alcool. Les gens boivent, font la fête, s'amusent. Voilà. Donc tous les excès deviennent possibles à partir du moment où je perds le contrôle de ma soirée. Ce qui est important, c'est de gérer sa consommation d'alcool de manière à toujours être lucide, à garder le contrôle de ce que je fais, de ce que je deviens. Une gestion de sa consommation qui permet surtout d'éviter les situations dangereuses pour soi. Les fêtes peuvent être terribles pour certains ou certaines, parce que forcément dans notre société, il n'existe pas que des gens qui veulent faire la fête en toute convivialité. Si je perds le contrôle à un moment, que ma consommation d'alcool ou d'autres produits fait que je suis devenu une victime potentielle, c'est-à-dire que je suis affalé dans un coin sombre, isolé, sans amis qui veillent sur moi, je suis la victime encore une fois potentielle de tout un tas de gens qui peut-être me veulent du mal. Alors sans aller dans les excès, on assiste chaque année à des gens qui se font faire les poches. C'est-à-dire au petit matin, ils sont assoupis dans un coin parce que leur état alcoolique est tel que de toute façon ils sont sans réaction. Et là, en toute impunité, on leur vole le téléphone portable, les papiers, le peu d'argent qui leur reste, les clés de voiture, enfin des situations qui, de suite, le lendemain, quand on a retrouvé ses esprits, sont très inconfortables parce que la fête est gâchée. L'alcool ne fait qu'accroître la vulnérabilité de la personne. Une vulnérabilité qui peut amener certains festaires dans des situations dramatiques. En effet, chaque année, les fêtes sont le théâtre de violences, d'agressions sexuelles, de viols ou de morts. Des cas peu nombreux, sinon rares, mais toujours inacceptable. Pour ce qui concerne les agressions sexuelles, il peut s'agir d'agressions sexuelles ou de viols, la difficulté essentielle à laquelle on se heurte, c'est que les faits sont bien souvent isolés. Et bien souvent, il n'y a pas de témoins. Et la question essentielle juridique qui se posera tournera autour de l'absence de consentement ou l'existence d'un consentement à l'acte. Il est absolument fondamental que la victime ait un discours clair, des déclarations précises, circonstanciées, qu'elle tienne tout au long de la procédure. Et la difficulté, c'est lorsqu'une personne, une jeune fille, parce que c'est souvent le cas malheureusement, a pu se mettre dans une situation difficile parce qu'elle s'est mise elle-même dans une situation de vulnérabilité et qu'au demeurant, elle n'a des souvenirs qu'extrêmement flous, extrêmement diffus, eh bien d'emblée, lorsqu'on n'aura pas d'autres ou très peu d'éléments matériels auxquels se raccrocher, eh bien le fait qu'elle ait été également sous l'emprise de l'alcool peut venir fragiliser son positionnement et fragiliser notre enquête. Face à ces risques inhérents à une forte consommation d'alcool, quelques comportements simples permettent de vivre au mieux la fête en s'appuyant sur les dispositifs existants comme les postes de secours. Alors là où nous sommes, là, c'est un lieu, donc c'est un poste de secours où nous accueillons tous les gens qui sont en détresse, quelle qu'elle soit. Nous sommes là pour les accueillir. Alors, tous les gens qui viennent chez nous, ils y viennent de leur propre gré déjà, et nous sommes là pour les aider. Et on en a vu souvent arriver seuls, et souvent des gens qu'on a trouvés dans des coins complètement seuls. Hein. Si vous avez un copain qui est vraiment alcoolisé, eh bien, n'hésitez pas, il y a des points de repos, il y a des postes de secours, amenez-les au poste de secours. Au moins, vous pourrez repartir faire la fête si vous voulez, mais vous êtes certain que votre copain est dans de bonnes mains et qu'on s'occupera de lui. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pour éviter tout souci, je garde le contrôle de ma soirée. Je sais, même si je suis alcoolisé, où j'en suis. Je sais à quel moment il faut que je m'arrête, à quel moment le verre de trop va faire que je vais basculer dans une zone qui sera dangereuse pour moi. Ça me permet de me tenir loin de toutes les situations un peu violentes, des bagarres qui pourraient survenir, de ne pas chercher à m'interposer, de ne pas, moi, me mettre en difficulté. Si je suis une jeune fille, de ne pas m'isoler dans un coin avec des gens que je ne connais pas. Des choses toutes simples, de bon sens, mais qui font que je vais finalement passer mes fêtes en sécurité. Ça partait aussi du principe qu'on ne sortait jamais seul. On sort en groupe, on sort avec des amis, garçons et filles. Les gens arrivent en groupe, hein, et il faut qu'ils finissent et qu'ils continuent en groupe. Vous êtes un groupe, restez en groupe et n'abandonnez personne sur le terrain. Donc c'est tous ces petits comportements-là que je ne peux avoir que si je suis encore une fois maître
de ma soirée. Pour celles et ceux qui maîtrisent mal leur soirée, les secours et les bénévoles sont présents, multipliant les sorties et retrouvant les festaires que la suralcoolisation met dans des états que l'on peut difficilement qualifier de festifs. Alors, pour ces festaires en suralcoolisation, que reste-t-il de ces soirées ? Il y a souvent du dépit, quand même, effectivement, d'être passé à côté d'une bonne soirée. C'est pas le but de la fête, de se mettre dans des états où on sort du monde de la fête et on sort du plaisir. Je ne sais pas si le lendemain, ils ont vraiment profité de cette fête et ils se souviennent de quelque chose. C'est vraiment dommage. La fête, vous voyez, c'est un rassemblement de personnes. C'est pas se retrouver dans un monde extérieur, dans son propre monde à soi, où on est complètement déconnecté. Alors à ce moment-là, ben, c'est pas la peine. Hein. On consomme son alcool et on reste dans son canapé, on est dans ce monde-là. L'idée étant pas d'interdire la boisson, mais plutôt de dire que si on a trop bu, on ne profite finalement de rien. Et moi, je veux répéter ce message, je dis tout simplement à tous ces jeunes qui viennent faire la fête à Mont-de-Marsan ou dans d'autres fêtes, amusez-vous. En respectant les codes de la fête, tout simplement, et vous aurez plaisir à revenir et à votre tour plus tard à faire partager l'esprit initial de la fête.